Sinds het ontstaan van het merk Philips meer dan een eeuw geleden heeft dit Nederlandse wereldconcern steeds uitmuntende producten gemaakt. Vaak producten met een grote technologische voorsprong, maar vooral ook gekenmerkt door een innovatief design. Een van die innovatieve producten van Philips is de gloednieuwe ontwaaklamp. Ze is niet alleen heel mooi, maar ook heel slim bedacht. Nous expliquer ce produit en deux, trois mots? Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est un réveil lumière. Donc, ça permet aux gens de se réveiller avec la lumière, donc tout en douceur. Alors, comment ça marche? Donc, on met tout d'abord le réveil. Et 30 minutes avant l'heure de réveil, la lumière va augmenter progressivement et va venir au niveau de la rétine réveiller ce qu'on appelle les hormones de réveil et diminuer la production d'hormones de sommeil. Donc, ce qui va permettre d'avoir un bon équilibre biologique au moment du réveil et donc de se sentir beaucoup plus en forme. Et donc, justement, quand le réveil se met en marche, ce sont souvent des bruits de petits oiseaux. Là, vous voyez, donc, j'appuie sur le bouton Quick Check. Progressivement, la lumière va augmenter. Donc, c'est ce qu'on a, donc les premières minutes, graduellement, pour atteindre au final l'intensité maximum. Donc, on monte avec le modèle haut de gamme jusqu'à 400 lux, ce qui permet de réveiller 100% des gens. Et puis, une fois que la lumière va arriver à son apogée, on va pouvoir entendre des bruits des oiseaux ou alors la radio selon les préférences que nous avons. Dus licht stuurt duidelijk een bericht naar onze hersenen. Waarom en wat doet het juist? Wel, alle levende wezens, alle organismen vrijwel zijn onderhevig aan het circadiane ritme en gaan dus eigenlijk een periode van activiteit kennen en een periode waarbij er geen activiteit is. Deze wordt dan nog eens gesuperposeerd door andere ritmes die dus inderdaad bijna jaarlijks zijn. We kennen ook een winterslaap bij sommige dieren, bij de mens is dat niet meer het geval, maar we kennen allemaal dus een periode van activiteit en een periode van niet-activiteit. De periode van niet-activiteit betekent niet dat er geen activiteit in de hersenen is, maar het is een periode waarin onze hersenen gegenereerd worden om de volgende dag opnieuw aan te kunnen. Vous dites qu'il faut 250 lux pour se réveiller, c'est ça? Mais alors pourquoi vous proposez deux modèles différents de 300 et de 400 lux si 250 c'est suffisant? Pour donner une garantie aux consommateurs, bon, certains sont beaucoup plus sensibles à la lumière, 250 lux c'est une moyenne. Certains ont besoin de beaucoup plus de lumière, d'autres moins. Moi personnellement j'ai besoin d'une intensité maximum, donc moi j'ai besoin de 350 lux. Donc ça dépend un tout petit peu des gens. Et pour être sûr de que tout le monde soit réveillé, bon, on met 300 lux sur le modèle bas de gamme et 400 lux pour quand même créer une différence. Comment s'est-on rendu compte que notre corps réagissait mieux à ce type de réveil, donc avec de la lumière? C'est une série d'expériences physiologiques qui ont été faites dans les années 80 du siècle précédent, qui ont montré que tant chez l'animal que chez l'humain, le principal marqueur de temps était la lumière. Le son joue, l'odeur joue. Chez l'humain, des marqueurs sociaux tels qu'un réveil matin avec des programmes radio peuvent également être des signaux typiques du matin ou du soir. Et il y a des conditionnements divers. Mais la lumière, c'est un réflexe, si vous voulez. C'est un réflexe fondamental qui n'est pas conditionné au départ. Donc on s'est rendu compte par des expériences de laboratoire qu'elle avait un effet par elle-même fondamentale. Et le produit est déjà sur le marché ou pas encore? Il rentre à partir du 1er septembre dans les magasins. Donc on peut le trouver dans tous les magasins d'électroménager. Alors quelles sont les autres nouveautés de chez Philips? Alors c'est une très bonne question. Donc pour septembre, nous introduisons des nouveaux rasoirs. Donc beaucoup plus simples à utiliser, puisque vous le savez, donc, le positionnement de Philips, c'est Sense and Simplicity. Donc on fait des produits qui ont du sens pour le consommateur et qui sont simples à utiliser.
On a aussi simplifié l'utilisation de la Senseo. On peut maintenant régler la hauteur pour les gens qui ont une tasse un petit peu plus grande. Et on a bien sûr un display aussi également digital pour voir ce qui reste dans la Senseo, dans la cafetière. Nous avons également de nouveaux épilateurs, beaucoup plus faciles à utiliser, donc des plus petits épilateurs, et les nouveaux haut de gamme, donc sur glace, donc pour avoir une épilation sans douleur. Et enfin, bien sûr, la Wake Up Light pour se réveiller tout en douceur. Voilà.